deuxième cycle, donc des étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire. Pour nous dévoiler cette catégorie qui est commencée par la Fondation Desjardins, j'invite M. Richard Desjardins, directeur du Centre Multiservices des Samars de la Commission scolaire des Samars, et Mme Sylvana Gingras, directrice générale du CLD Montcalm. Alors, c'est le Collège Astor Blondin avec le relais pour la vie jeunesse. C'est quoi, mettons, travailler avec une gang de filles comme ça? C'est assez compliqué. Il y a des problèmes sur les petits détails. Là. Ouais, tu fais vraiment pitié. Ouais. Tu fais pitié, là. Est-ce qu'on a un représentant pour le groupe? Parce que je pense que ça venait d'une personne, et c'est toi. Hein? Donc, ton nom, c'est? Jade Racine. Jade, c'est toi qui as eu l'idée d'organiser ça. Oui, en fait, c'est parti un flash en pleine nuit. J'avais déjà vécu un relais pour la vie dans la ville de Joliette. Puis j'ai décidé que je voulais en organiser un dans mon école. Donc, les relais jeunesse, en fait, c'est tout nouveau au Québec. Puis ça a commencé cette année. Donc, je suis dans les premières à avoir inauguré ça, si on veut. Donc, c'est ça. Quand j'ai lu le dossier de l'événement et de votre projet, j'ai été impressionnée par la structure que vous y avez donnée. Oui, ben en fait, c'est un énorme projet. Donc, c'est une marche. Ben, en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le relais pour la vie, c'est une marche de 12 heures qui a pour but d'amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Puis, donc, c'est ça. Puis nous, on l'organise au collège. Donc, durant cette nuit-là, ça dure la nuit, 12 heures, c'est des élèves du collège, des membres du personnel, leur famille, amis, qui forment des équipes, ils ramassent des dons, ils viennent marcher durant la nuit, ils participent à plein d'activités, donc c'est un peu ça. Puis justement, il y a plein d'activités, il y a plein de gens qui viennent participer, donc ça demande une structure quand même assez... Parce que vous avez chacun vos jobs, là, hein? Si je ne me trompe pas, là, il y a un département, ça c'est le département de... Bien, on a les communications, puis collecte de fonds, donc tout ce qui est... commanditaire, c'est mon devoir. Donc, puis ensuite, il y a tout le monde sert à quelque chose de très précis. Mais vous avez chacun votre mandat, votre rôle. Et là, c'est la deuxième année que tu le fais? Non, c'est la première. Ouais. OK, mais, donc, il y en a quelques-uns qui sont en cinquième secondaire, mais on a notre élève quand même. Donc, on espère que ça va continuer, c'est sûr. Là. Des gens dans la communauté, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire avec vous, Jeanne? Oui, bien sûr. En fait, on a un site, par le site Internet, vous pouvez aller sur notre Facebook qui est Relais pour la vie jeunesse, CEB. Puis, il y a le lien pour s'inscrire, pour donner des dons. C'est ça. Tu dégages une très belle énergie, Jeanne. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Non. Je ne sais pas. Développer des projets, ouais. Être en affaires. Ouais, ça serait pas mauvais du tout. Puis, travailler comme ça en comité, ça demande beaucoup de rencontres, j'imagine. Est-ce que c'est exigeant avec l'école? Ben c'est correct, ça se fait bien. Ça se fait bien. Puis là, votre événement va avoir lieu, là? Le 29 mai. Alors, le 29 mai, il va y avoir de la lumière, j'imagine que vous allez... on va marcher ici, justement, sur le terrain du collège. Donc, quand vous allez sortir, vous pouvez regarder à l'autre côté, donc l'extrême du collège, ça va être notre lieu où est-ce qu'on va marcher. Puis, il va y avoir plein d'activités, plein de gens. Avez-vous un objectif? En fait, notre objectif, vu qu'on est les premiers relais, c'est difficile de se fixer un objectif, mais on aimerait ça atteindre peut-être le 20 000 $. Oh! Ouais. C'est ambitieux! Ben oui, bonne applaudissement! Vous avez en plus un prix ce soir pour reluire sur la scène nationale et inspirer d'autres jeunes à participer comme ça au Relais pour la vie jeunesse. C'est une belle aventure. Félicitations, Jeanne. C'est un beau flash que tu as eu cette nuit-là. Merci. On vous souhaite un beau succès. Merci beaucoup.